t'assois. J'ai pas peur. Je vais vous demander de ne pas parler pendant que je raconte l'histoire de l'homme tortue. Si vous parlez, je vais devoir crier et puis après ça. Je vais vous raconter une histoire qui s'est... Si, il y a très bien. Eh, toi, tu t'appelles. Robert. Robert. Non, mais je rigole, hein, tu vas parler. Mais non, parce que sinon, on ne pourra pas entendre l'histoire. Mais c'est une histoire vraie. Histoire réelle. Je vais vous demander le silence pour que je puisse la raconter. Merci. Je me concentre. Il était une fois un petit enfant. Dans un champ de betterave. Camille, écoute. Il ne voulait jamais boire son lait. Il ne mangeait que le sucre. Le reste n'était vraiment pas son truc. Continuez. Il n'était pas plus gros qu'une betterave. Mais à force de manger du sucre, il grandit très vite. Il devint vite un petit garçon de 8 ans. 8 ans et demi. Et les gens du village en avaient déjà assez de lui. Quand il avait mangé tout le sucre des maisons. Alors les gens de Montier disaient, hey, on a marre de lui, non? Alors, ils le bannirent. C'est triste. Alors le petit enfant, il partit. Et elle a de village en village et de ville en ville, en pillant les maisons de leur sucre et de leur bonbon. Ce soir, il attendait que les magasins ferment pour rentrer dedans et manger tout le sucre des rayons. À force d'avoir encore mangé tout ce sucre, il devint un adolescent. Pensez qu'à une
seule chose, c'était d'ingurgiter du glucose. C'est quoi le glucose à donner? Oh, tu m'as fait perdre le fil, hein? Du glucose. On errant dans la campagne, à un moment, l'adolescent tomba sur une usine. C'était une gigantesque usine de sucre. D'un côté, les camions de betteraves rentraient, et d'un seul coup, les machines à betteraves, elles prenaient les betteraves, elles les coupaient comme ça, elles faisaient des petits carrés, après elles faisaient des écrasées, elles les écrasaient, gna gna, comme ça, et après ça faisait du sucre. Excusez-moi, ça faisait du liquide, ça faisait du sucre, une énorme montagne de sucre sortait de l'usine. L'adolescent, quand il vit ça, il devint moitié fou. Tu comprends? Non? Ça faisait une énorme montagne de sucre. Alors l'adolescent, il devint complètement fou, il se dit: je vais tout. Et c'est ce qu'il fit. Cela prit 3 jours et 3 nuits. Il mangea tout le sucre. Il n'en restait pas un grain. Il en avait tellement mangé qu'il tomba dans les pommes. Quand il se réveilla, il devint tout de sucre. C'est marrant! Ses pieds, ses jambes, tout son corps était dans le sucre. Quand il se vit, il devint encore plus fou. Il courut vers la colline en criant: je ne mangerai plus jamais de sucre! C'est un peu tard, non, quand même? Les gens du village de Montier, quand ils virent cette silhouette étrange, crièrent: un homme tortue! Un homme tortue! Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il se mit à pleuvoir. Et tout son corps, à cause du sucre et de l'eau, devint tout collant. Et tous les détritus, les petits bouts de bois, les cailloux, tout se collait à lui, et notamment au niveau de son dos, ce qui lui fait une énorme carapace. Et c'est pour ça que les gens du village crièrent un homme tortue. Il était une fois un homme tortue qui courait dans les rues en criant: ne mangerai plus jamais, jamais de sucre. Et du haut de sa colline, il pleurait, il criait: je ne mangerai plus jamais de sucre! Et tout son corps tremblait. Et il devint rouge, vert, jaune, violet, de toutes les couleurs. Et à l'intérieur de lui, ça bouillonnait, bouillonnait. Et d'un seul coup, il explosa en 1000 bonbons de toutes les couleurs. Tu peux le faire. Et il explosa en 1000 bonbons de toutes les couleurs. Oh! Il explosa en 1000 bonbons de toutes les couleurs! Oh! Ils sont où les bonbons? Ah oui! Ah non, toi! La pluie s'arrêta! Et l'homme tortue était recroquevillé au milieu de ses bonbons multicolores. Alors il se releva, prit quelques bonbons machinalement, se regardait à nouveau. Il n'était plus en sucre, mais il avait conservé sa carapace. À un moment, il entendit du bruit et se retourna. Et vu les gens de Montier courir pour attraper les bonbons, alors lui, il a eu la trouille et il se carapata. Répétez après moi. Et il se carapata. Et on ne revit plus jamais l'homme tortue. Enfin, jusqu'à ce jour. Car
Marge et Woody. Marge et Woody. Il était revenu pour raconter son histoire. Voilà, c'était l'histoire de l'homme tortue. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour vous remercier, je n'ai rien apporté. Juste quelques bonbons. Parce que les fleurs sont belles. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes tout petit. Parce que les fleurs sont belles. Merci, c'est fini. Si vous voulez des bonbons, c'est maintenant.